Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui donc je vous parle donc de comment scaler, comment faire développer votre entreprise donc sur internet. En fait, j'ai réagi à une vidéo que j'ai vue d'un entrepreneur très connu qui a une grosse chaîne YouTube qui parlait donc de comment débuter sur internet. Donc moi je voulais ajouter à ça parce que donc moi je suis plutôt dans la partie développement. Et moi je viens en plus de la création classique hors internet, où j'avais donc des franchises dans l'immobilier. J'ai eu d'autres business, mais ça, on n'en parlera pas. Donc, ça fait moi 2 ans que je suis sur Internet. Et donc, souvent, c'est le même problème, c'est le trafic et la conversion. Et donc, débuter, créer, c'est assez simple. Donc, la vidéo était intéressante, mais c'est assez simple. Donc, je suis entre entrepreneurs, ça suit. Enfin, il y a tellement de formules en France que ce n'est pas le problème. En plus, comme on est en ligne, il n'y a pas de gros coûts. Mais, et c'est pour ça que moi, j'ai mis un mais dans cette vidéo et dans ce que disait cet entrepreneur, cet infopreneur plutôt. C'est qu'il est vraiment important donc d'avoir un petit pactole. Souvent, on entend souvent des business où il faut créer gratuitement. Donc, c'est vrai, quand on crée un blog, ça coûte moins de 100 euros à l'année. Une chaîne YouTube, ça coûte rien du tout. Après, si on peut acheter des éléments, parce que moi, là, j'ai mon téléphone portable, il faut quand même en avoir un bon. Mais si on a un abonnement, ça coûte rien. Mais ensuite, on est bloqué, parce que si on fait que du gratuit, il faut automatiquement être très fort en contenu et créer beaucoup de contenu. Et le contenu, ça veut dire du SEO et c'est très long. Voilà. Et donc si on veut aller plus vite et scaler, il faut donc avoir un peu de finance. Donc déjà pour des logiciels, pour automatiser. Donc il y a plein de logiciels qui sont au début gratuits, mais quand on va plus vite et quand on grossit un peu, donc il faut mettre des frais. C'est souvent pas très cher, c'est 20 ou 30 euros par mois. Mais quand on cumule tous les frais, ben, ça peut monter très vite. Mais surtout, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est avoir un peu d'argent pour faire des campagnes publicitaires. Même si beaucoup de personnes qui vous parlent du gratuit ne le disent pas, mais ils font des campagnes. Que ce soit Facebook, surtout que Facebook, ça c'est très targeté. Si on peut plus se faire Facebook plus Google, c'est super targeté. Et donc là, on peut vraiment scaler une formation ou un produit en affiliation. Donc garder son emploi, ce qui est l'erreur de beaucoup qui rentrent dans le domaine, qui voient la partie au-dessus de l'iceberg. Il ne voyait pas la partie cachée où il faut galérer un peu, créer du contenu, faire de la communication. Enfin, toutes les galères d'une entreprise, hein. Les frais, la comptabilité et autres, si on a un comptable. Donc, si on est hors autre entreprise, ce qui est mon cas. Donc, tous ces problèmes qu'il faut gérer. Et pour ça, il y a toujours un besoin, un petit peu de finance. Ce n'est pas des millions, hein. Moi, quand j'ai créé mes franchises, il fallait que je mette en droit d'entrée. Moi, j'ai pu mon 30 000 euros sur l'une. Après les autres, j'ai mis des frais. Il faut trouver un local. Enfin, voilà. Vous connaissez le business hors internet, ça coûte très cher. Même sur internet, il faut au minimum de pactole de 500 000 euros et surtout générer après de l'argent avec l'activité pour pouvoir continuer à payer ces frais-là. C'est pas en fin de compte de dépenser 500 000 euros, c'est d'avoir ces frais-là au cas où il y a un pépin. Sinon, c'est comme la plupart des entreprises, elles ferment à cause des problèmes de trésorerie. On fait un calcul de toute société, soit c'est un problème avec les dirigeants, un problème d'associé, ce qui m'est déjà arrivé en plus, ou sinon un problème de trésorerie. Donc la trésorerie est extrêmement importante. Et donc pour drainer du trafic, je reviens au début, quand on est sur Internet, on fait du contenu, on crée du contenu gratuit, donc vidéo, blog, affiche, pin, Pinterest, enfin des étiquettes. Ça c'est long, c'est pas ce qui va vous faire arriver à 10 000 euros par mois hors taxes. Ou si vous êtes très très bon et que vous êtes dans une niche et que les gens vous adorent, vous êtes un profil d'influenceur, donc les gens vous suivent, donc c'est parfait, vous êtes fort en réseaux sociaux, donc là, pas besoin d'argent, techniquement pas trop. Sinon, il va falloir avoir un petit pactole. Donc, c'est d'où l'importance d'avoir une activité à côté, à temps plein ou à temps partiel, et de développer l'activité, ce qui est une erreur que j'ai faite moi plusieurs fois. Donc, en plus, c'est pas bon de répéter la même erreur. C'est de vite se lancer, être sûr de soi et de se dire que ça va marcher. Mais comme malheureusement, tout business ne marche jamais comme c'est prévu, on va toujours avoir ce petit source d'argent de côté qui permet en fin de compte le jour où il y en aura toujours un. Sur une année, il y aura toujours un problème de trésorerie, à un moment ou à un autre. Les impôts, ou une dépense, ou comme il m'est arrivé dernièrement, un ordinateur qui déconne. Donc, être sur internet, une part d'ordinateur, donc il faut racheter un ordinateur, racheter un téléphone si vous faites des vidéos. Enfin voilà, il y a toujours un pépin. Comme dans la vie, vous le savez, il y a toujours un pépin. Donc il faut toujours prévoir sa trésorerie et ne pas se dire trop optimiste, comme le profil classique d'entrepreneur, que tout va réussir, vous êtes le meilleur. Donc vraiment, garder son emploi et faire son activité à côté, donc 15-20 heures pour développer. Et dès que vous arrivez à un certain niveau, peut-être avoir 6 mois de revenus d'avance et un chiffre d'affaires, là vous pouvez donc vous dire qu'il faut arrêter le boulot
Et puis donc peut-être continuer à faire que du contenu gratuit pour peut-être ne pas dépenser, garder du profit, ou sinon ben, faire les deux. Donc faire un peu de pub Facebook, un peu de campagne donc, sur les réseaux sociaux, et acheter des logiciels qui vous permettent donc de développer l'activité. Voilà. Donc c'était un tout petit point pour vous faire comprendre que ce qu'on vous dit c'est très bien sur Internet, que tout est gratuit, que c'est magnifique. Mais le gratuit, c'est le mot qui vous attire quand vous cliquez sur le lien, mais il y a toujours des petits frais, des dépenses. Et surtout, donc, il faut vraiment faire attention à la trésorerie quand on est sur Internet, parce qu'on croit qu'il n'y a rien à payer, mais il y a quand même des petits frais, des petits logiciels à payer pour pouvoir se développer. Donc voilà. Bon, je vous dis à très bientôt, en espérant donc, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres vidéos comme ça, sur l'indépendance financière, l'immobilier, l'affiliation dropshipping. Un procès à une demande, donc on m'a demandé dernièrement. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.